Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo les séries BL et Gay dont la diffusion commencera sur les différentes plateformes de streaming dans le courant du mois de juin 2022. Sky in Your Heart. Une douce histoire d'amour entre le jeune docteur Coiffa, qui est en poste dans un hôpital de province éloignée, et l'enseignant bénévole à la personnalité brillante, Prince. Cette série thaïlandaise de 8 épisodes sera diffusée à partir du 3 juin sur la chaîne YouTube de GMMTV. Want to see you. Pas de synopsis pour cette nouvelle série vietnamienne de 14 épisodes signée O2 Productions et qui sera diffusée à partir du 5 juin sur leur chaîne YouTube. To My Star 2. La deuxième saison de To My Star. L'histoire se déroulera alors que l'un des amants disparaît, ne laissant qu'une note derrière lui. Pas de trailer pour cette série coréenne de 15 épisodes qui sera diffusée sur Viki et Gaga Oulala à partir du 5 juin. Old Fashioned Cupcake. Nozue, 39 ans, ne sait pas comment sortir de sa vie routinière jusqu'à ce que Togawa, son collègue de 29 ans, l'invite régulièrement à déguster des pâtisseries. Nozue devient peu à peu accro à ses goûters et surtout à celui qui l'accompagne. Cette mini-série de 5 épisodes sera diffusée à partir du 13 juin sur Fuji TV. Love Victor saison 3. Pour cet ultime rendez-vous, Victor poursuit son introspection afin de discerner non seulement avec qui il a envie d'être, mais surtout qui il a envie d'être. Alors que leur scolarité à Kirkwood est sur le point de s'achever et qu'il leur faudra bientôt décider de ce qu'ils feront après le lycée, Victor et ses amis se retrouvent confrontés à une nouvelle série de problèmes qu'ils vont devoir résoudre au mieux afin de se donner les meilleures chances pour l'avenir. Nous pourrons suivre cette série américaine de 8 épisodes sur Disney+ et Hulu à partir du 15 juin. Senpai, This Can't Be Love. Yanase a travaillé comme 3D CG designer partout dans le monde. Maintenant de retour au Japon, Yanase forme un débutant du nom de Kaneda Yuki. Il n'y a qu'un seul problème, Kaneda est super hostile envers Yanase, laissant Yanase frustré et déçu. Avec un nouveau projet où ils devront travailler côte à côte, comment ces deux-là peuvent-ils surmonter leurs personnalités différentes ? Pas de trailer pour cette série japonaise qui sera diffusée sur MBS et Viki à partir du 17 juin et qui comprendra 8 épisodes. Check Out. Nine et Daonua voyagent seuls. L'un après avoir rompu avec sa petite amie, l'autre après une déception amoureuse. Ils se retrouvent par hasard à partager des chambres voisines et finissent par apprendre à se connaître. À partir du 17 juin,
nous pourrons suivre cette série thaïlandaise de 12 épisodes sur Amarin TV avec un rerun sur la chaîne YouTube de 9NEA. Unforgotten Night. Kim, un employé de bureau de 25 ans, est amoureux de son aîné, D, depuis longtemps. Pour l'oublier et passer à autre chose, il décide d'avoir une aventure d'un soir avec un inconnu rencontré au bar, Kamol, un mafieux de 30 ans, aux besoins particuliers. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'étranger commencerait à l'aimer jusqu'au point de non-retour. Une série thaïlandaise qui sera disponible à partir du 22 juin sur GMM25 et Gaga Oulala. Evenson. Pas beaucoup d'informations concernant cette nouvelle production des studios Wabi Sabi qui sera diffusée à partir du 29 juin. Je vous tiendrai informé dès que j'en saurai plus sur cette série. Love Mechanics. Lorsque la déception le frappa, ils se rencontrèrent. Les erreurs sont causées par l'intimité et leur relation n'était pas claire. Comment cela finira-t-il? Cette série de 10 épisodes sera diffusée dans le courant du mois de juin sur WeTV. C'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt, à ciao bye bye.